Un livre qui a compté pour moi, c'est J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Ça a été un choc, vraiment, parce que j'ai découvert le racisme, que je ne connaissais pas. J'ai découvert la violence, j'ai découvert le sexe, j'ai découvert l'amour, j'ai découvert la haine. J'avais 16-17 ans. À l'adolescence, on se cherche, on pense qu'on est les seuls à avoir des soucis insurmontables, etc. Et ce livre m'a permis de me dire, mais mon Dieu, il y a tellement de choses, il y a tellement de... Et après, j'ai découvert Boris Vian aussi en parallèle. Le musicien, l'écrivain, l'homme en tant que tel, et qui est décédé tellement jeune. Et voilà, ça m'a permis d'avoir un accès autre, à une autre culture. C'est un peu ma Madeleine de Proust. Donc il est toujours là, je l'ai dans la bibliothèque, je le regarde, je le touche beaucoup. C'est mon petit trésor. Je lis beaucoup sur le Moyen-Âge, je suis très 9e, 10e siècle, je vais jusqu'au 12e, mais c'est vraiment limite. J'ai vraiment, vraiment besoin d'être dans le réel, mais avant. Je lis pour m'évader, je lis pour partir, je lis pour m'oublier en fait. Ça m'apporte un échappatoire. C'est des vacances, en fait. C'est les vacances de l'esprit.